Vous êtes là tous les matins. Non, la femme n'est pas digne de confiance. Je ne peux pas faire confiance à 100% à une femme parce que les femmes, à la moindre occasion, elles vont te laisser. Mais toi, en tant qu'un homme, en tant que le maître de la maison, quel acte tu poses vis-à-vis de Dieu pour marquer ta femme à vie? Là, le jour que quelqu'un va venir, va dire non, le monsieur m'a proposé au moins 10 millions, mais il dit, pas tromper mon mari, payer mon mari même. Vous ne faites rien pour les filles, vous pensez que donner l'an de popote ce matin, et puis donner l'an de poste 100 000, 200 000, non. La source du foyer, là, c'est l'affection. La femme a besoin d'affection. La femme a besoin d'être honorée. La femme, elle veut qu'on la respecte. Tu quittes au travail, des deux petits bisous. Bébé, ta journée. Bébé, laisse-moi, j'ai pillé le photo aujourd'hui. Moi, par exemple, moi, je suis un spécialiste dans laver caleçon. Moi, je lave caleçon de ma femme. Jusqu'à tous mes doigts, là, sont gâtés, gâtés. Elle est couchée, elle est en train de jouer jeux vidéo. Moi, je lave son caleçon. Ah, pour-tu, j'ai bien. Voilà, je lave le caleçon. Là, demain, je sais que si ma femme doit me laisser, c'est pas par manque d'affection. Voilà. Un homme, c'est ça. Oh non, je ne suis pas un homme digne. Un homme ne doit pas laver le caleçon de sa femme. Voilà le caleçon de mon bébé. Ça, c'est l'antivol. Tu vois, c'est un peu... Il y a un peu de trou-trou, là, comme vrai antivol. Voilà. Derrière, on appelle ça le pare-brise. Ça veut dire, quand elle lâche comme ça, là, quand le vent passe dedans et puis j'aspire, je sais que ma femme m'aime. Parce que moi, ma femme doit lâcher au moins 3 fois par jour. Une gelule le matin, une gelule le midi, une gelule le soir. Ma femme ne doit pas avoir honte de moi. On est des complices, c'est comme ça, les gars. Et finis là, quand le son de ma femme, il est même sur la corde. Son soutien, même si c'est sale, il est trempé. Restez là en train de vous jouer, les garçons. Hein. C'est les gérants de cabine qui vont mourir vos femmes. Bande de bassalots, là.